Salut, bienvenue à tous dans nouveau rendez-vous d'actualité. Anne Romanov fait le point sur sa vie sentimentale au micro de nos confrères de RTL. C'est en septembre, Eric Dussard qui officie à la radio lui a en effet demandé si un épuisement individuel était toujours d'actualité et qu'aucune modification de forme. Je ne sais pas, mais ça va bien, a fini par concéder à Anne Romanov. Si Anne Romanov n'a pas vraiment répondu sur l'état de sa vie sentimentale actuelle, elle s'est opposée aux étiquettes traditionnelles que l'on peut coller sur une relation. Pourquoi toujours en couple ou pas en couple? On peut être avec quelqu'un sans être en couple, a-t-elle indiqué. Doit-on comprendre qu'il se suit dans cet entre-deux? Anne Romanov est bien décidée à rester floue sur ce sujet, tout en faisant savoir qu'il ne veut plus avoir un amoureux sur le dos de façon régulière. C'est compliquer la vie au quotidien, a-t-elle expliqué. Par le passé, Anne Romanov a été en couple pendant 25 ans avec son producteur Philippe Veillon. Ensemble, ils ont deux filles, prénommées Alice et Marie. Le couple s'est finalement séparé en 2016. Depuis, l'humoriste refuse de dévoiler publiquement des informations sur sa vie amoureuse et son éventuelle recherche d'un nouveau complice. Pour cela, elle aurait pu faire usage des applications de rencontre. Sondée à ce propos par Eric Dussard sur RTL, Anne Romanov s'est montrée une nouvelle fois assez mystérieuse. « Je ne suis pas obligée de dire la vérité », a-t-elle concédé dans un premier temps et de simplement ajouter « J'ai beaucoup de copines qui me racontent. » C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.